Salut, c'est Lastangel, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici partis pour l'épisode 3 de Dead Space. J'espère que les deux premiers épisodes ne vous ont pas trop effrayé. Si c'est le cas, je ne sais pas quoi vous dire, parce que là ça va, à mon avis, ne faire qu'empirer. Alors, on va reprendre. Alors oui, j'ai fait un peu de ménage au niveau des sauvegardes, parce que sinon on va se retrouver vite. Parce que dès qu'il y a un point de sauvegarde, il vaut mieux sauvegarder. On ne sait jamais. Pour l'instant, on n'est pas mort, mais on n'est pas à l'abri. Alors, que je me souvienne, donc on a plus de stats pour l'instant. On a deux problèmes et très peu de temps pour les résoudre. D'abord, les moteurs sont à sec. Ensuite, la centrifugeuse ne fonctionne plus du tout, ce qui fait quelques milliards de tonnes de roches qui nous tirent vers le bas. Il faudrait redémarrer la centrifugeuse, recharger le moteur principal et le relancer pour stabiliser notre orbite. Voilà, donc on a du boulot, on a rechargé la stase. On va faire comme d'hab, on va prendre tout ce qu'on trouve au départ. Alors là, j'ai pris l'arme qui a le plus de munitions pour l'instant. C'est pas forcément la plus efficace, mais bon, c'est celle où on a le plus de munitions et il va falloir y aller à l'économie parce que, vu l'inventaire... Alors, oui, je voulais vous demander, je vais le faire et puis après vous me direz si ça vous embête ou pas. Ouais, je regarde toujours la sortie du tram parce que je me souviens, il y a longtemps quand je l'avais fait, il y a des passages, je crois, il y a des petites choses qui sont cachées sur les rails, ou c'est une vue de mon esprit, ou je sais pas. Enfin bref, oui, donc je voulais vous dire, dans mes vidéos, je vais incruster probablement en bas à droite des petites vignettes vidéo. Quoi ça ? Pour vous tenir au courant un peu de ce qu'il y a d'autre sur la chaîne. Alors si ça vous dérange, si ça vous embête, je vais essayer que ce soit le moins gênant possible, bah, vous me le dites en commentaire et puis j'arrêterai d'en mettre. Journal de bord, ingénieur en chef, Jacob Temple. Ça fait deux jours qu'ils ont cassé cette planète et que Matthews est mort. La panique, les émeutes, c'était rien à côté de ce qui allait suivre. Nos amis, nos équipiers, partis puis revenus, différents. Ils sont là pour nous tuer, jusqu'au dernier. Rucker a disparu ce matin. J'imagine qu'il est déjà mort. Mes hommes sont terrorisés. J'essaie de garder un œil sur eux, mais pour l'instant, on a un problème. On perd énormément d'énergie et les moteurs sont à la peine. Je vais aller aux réserves d'énergie avec Danvers, voir si on peut y remédier. Terminé. Ah ouais, je vous laisse écouter les messages audio et les vidéos, hein, comme d'habitude. Donc oui, vous me le dites si les petites vignettes vous gênent, mais en même temps c'est la seule façon que j'ai de communiquer avec vous puisque je peux pas le faire directement et de vous tenir au courant un petit peu de ce qu'il y a d'autre sur la chaîne. Voilà. J'en profite pour faire un petit bonjour et un petit coucou à Julien qui m'a posé une question dernièrement et qui était très pertinente puisque j'ai donné l'information nulle part. Donc en fait j'aurais pu le faire sur la page Facebook d'ailleurs, ça aurait pu en faire partie, mais c'est vrai qu'avec les vidéos je suis pas mal débordé. Et donc oui, Julien m'a demandé à quel rythme je mettrais les vidéos de Dead Space. Alors pour l'instant je suis que sur ce let's play là, donc mais en principe à chaque fois que je ferai un let's play, il y aura une vidéo tous les jours du let's play en question, ou des let's play en question. Alors je pense que j'en ferai qu'un à la fois, hein, parce que c'est pas le manque de temps. Donc voilà. Donc merci à toi, Julien, de m'avoir posé la question et d'avoir permis de le signaler aux autres membres de la chaîne. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le point sur l'inventaire. On a fait une petite sauvegarde et on va attaquer, j'imagine. Ah. Lui, il va pas me baiser. Parce que... commence à avoir l'habitude. Voilà, ah, voilà. Attends, fais gaffe. Ouais. Allez. Oh, putain, oh, c'est moins efficace quand même que le cutter. Hein. Ouais, c'est quand même moins efficace. Mais bon. Là, on arrive dans les niveaux où on va commencer à avoir un manque de tout. Donc il va falloir commencer dès maintenant, à mon avis, à économiser. Voilà, même si on en trouve en début de niveau, ça c'est normal. Alors un schéma, ok. Schéma combustible, ça c'est pour si on prend le... Anderson, arrête ça.
vrai. Donc là, si on veut prendre le chalumeau plus tard, ou pas le chalumeau, le lance-flamme. Chalumeau, qu'est-ce qu'on ferait avec un chalumeau? Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe. Le vaisseau aurait été attaqué, mais qui voudrait nous attaquer ici? D'abord, le capitaine meurt, et maintenant une attaque. Selon Carmack, c'est un membre de l'équipage qui l'a tué. Foutaise, c'est le chaos ici. Je ne peux plus atteindre la passerelle ou qui que ce soit. Tout le monde tente de fuir de cet enfer. Je devrais faire pareil. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée du tout, mon petit gars. Tu devrais te barrer. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui traînent? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est bon. Ouais, il va falloir faire très attention parce qu'ils sont un peu tordus. Alors là, on va pouvoir améliorer le cutter, je pense, parce que il va vraiment être vital d'avoir quelque chose d'efficace. Voilà. Et on va garder de toute façon, comme d'habitude, un point de force pour accéder à des endroits. Non, ça, ça craint rien normalement. Oh putain, il y en a un en dessous. Non, ça c'est rien, ça c'est pour me faire peur. Alors. Oui, donc on va garder un point de force, je disais, pour accéder à un petit tour de ville, c'est pas mal. Pour accéder aux endroits où normalement il y a des mini cavernes d'Ali Baba à droite à gauche. C'est un peu de calme. Il y a du brouillard. Oh! Oh 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 oh! Voilà. Ah bah lui, c'est pas violent lui. Il est mort vite lui, je trouve quand même. Oh putain, l'enculé! Putain! Salopard! Ah putain, s'ils se mettent à feinter comme ça, on va te barrer. Oh le con! Putain, encore je me disais, putain, il est mort trop vite lui. Ah, j'ai coupé un bras et tac, il tombe raide. J'étais content, si c'est bon, hein, le machin. Oh merde. Bon, oui, donc, c'était un petit peu trop calme. Alors, ouais, des ressources, ça c'est bien. Ça c'est quoi, de la thune? Ah ouais, c'est de la thune, il nous en faut de la thune. Des balles, j'aurais préféré des lames de cutter, mais bon. Comme on a quand même utilisé pas mal de fusils d'assaut, là. C'est bien aussi. Alors, bon, on regarde partout. Il y a des brouillards, il y a un putain là-dedans. Alors, ok, là on a vu, c'est fait. Allez, on va y aller. Il a pas bougé lui, non? Non. Pas déconner quoi. Alors, encore quelque chose là. Merde, je me tape dans les murs. Isaac est fatigué, le pauvre, avec tout ce qu'il a vu jusque là. Ça, ça doit venir par ici. Alors, on va faire gaffe là. Normalement, lui, je pense pas qu'il bouge. Mais on sait jamais. Alors. Ok. D'énergie activée. Donc il faut retourner en bas, j'imagine. Oh putain, putain. Oh, puis il y a des petites saloperies là. Ah, oh, putain, faut des verres. Ah, oh. Alors, toi, tu es prêt déjà pour commencer et faire gaffe aux autres merdes là parce que ils vont me sauter dessus. Oh, elles sont toutes mortes. Ah, oh, c'est bon. Ah, merde, puis j'ai mon inventaire qui est plein. Oh putain! Ah putain, d'habit bêtement là, j'aurais dû faire attention. Alors, bah, on va utiliser. Non, ce serait con de gaspiller. Alors, on va retourner vider un maximum de choses de notre inventaire. De toute façon, c'est juste à côté. Et puis, comme ça, ça fera de la place. Parce que comme on fait qu'avancer dans le niveau, si on est déjà plein, on pourra rien récupérer. Donc normalement on devrait rien croiser parce que faut pas abuser quand même. Allez,
pardon, hein, j'aurais dû le faire avant, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'on peut se débarrasser? Alors déjà le schéma, ouais, ça fait une place. Alors, tac, tac, tac. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Putain, il n'y a rien, il y a juste le schéma. Merde, on va être mal. On va être mal. On va faire une petite sauvegarde, ça mange pas de pain. Allez, hop. Putain, vivement qu'on ait la combinaison niveau 3 parce que là l'inventaire il commence à se restreindre et ça commence à être difficile de gérer correctement. Enfin, en même temps on devrait être obligé de, je pense, utiliser beaucoup de choses qu'on a dans l'inventaire, donc ça va se dégager tout seul. Alors on était ici, là il y avait ça à récupérer, c'est bon, et normalement on devait redescendre, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Des fois qu'il y a d'autres trucs, bah ouais, tiens, il y a encore un truc. Bah ouais, baiser forcément, l'inventaire est plein. Alors, bon bah tant pis, hein, on va aller. Il y a quoi d'autre là? C'est quoi ça? Oh putain, c'est de la vermine ça. Oh putain, j'ai un mauvais souvenir, là, pas vous. La dernière fois, là, il m'avait sauté dessus ce truc là. On va y faire sa fête quand même. Allez, hop. Oh putain. Allez, crève. Merde, si je mets tout à côté. Non, non, non. Allez, allez. Putain, mais il est costaud celui-là. Putain, non. Ouais, c'est bon ça. Allez, dégage, 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 dégage. Putain, il veut pas claquer cet enculé. Alors voilà, non voilà. Putain le patin. Dégage. Dégage. Putain. Oh le con, je crois qu'il s'était tiré, ce punier. Allez, crève, crève. Salopard. Ah putain, mais. Mais putain, mais je le crois pas, le mastringue, il voulait pas claquer. Mais ils sont ouf ou quoi, putain? J'ai gaspillé au moins deux chargeurs là-dessus. Et bah ouais, moi qui me plaignais de pas avoir place dans l'inventaire, bah maintenant on est tranquille. Bon bah ok. Ouais, tiens, ça tu l'as pas volé. Alors. Ouais, ouais, de toute façon, ouais. Et bah comme ça, il y a de la place. Bon, bah ça commence mal, je trouve. Mais bon. Ça ne peut aller qu'en s'arrangeant ou pas. Ou pas. Allez là, quoi donc? Ouais, ça, des lames de cutter, c'est très bien, c'est très bien ça. Hop, donc du coup on va passer sur le cutter et on va aller voir ce qu'il y a au bout de cette passerelle. Ouais bah ça tombe bien. Et il nous reste 3 emplacements. Ok, on va mettre de la stase. Non. Non, je suis con. Il reste encore au moins 2 coups de stase avec le rouge. Bon, allez. Ça m'inspire pas ce truc-là. Plus dans le brouillard et tout, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le sens pas bien. Puis ça avance doucement. Ouais, ouais, oh là. Ah, y a un truc là. Non, d'ici je l'aurais pas. Ah putain. Oh putain, on est mal. Allez. Putain, allez, 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 dégage. Crève, crève. Crève, toi. Putain, crève. Oh le bâtard. Allez, crève. L'autre, 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 il arrive, putain. Oh. Allez. Putain, mais.
Allez, bordel! Allez! Putain, j'ai plus de stas, faut que je me mangue. Allez, allez! Putain! Pouh, putain! On va remettre de la stas tout de suite. Ils sont tous raides, hein? Ouais, c'est bon, c'est raide. Allez, hop! Ça, c'est bon. Ah, j'ai été con, merde, il y avait des explosifs à gauche. J'aurais tiré dedans, ils auraient morflé. Je sais que j'ai pas toutes mes ressources. Merde. Putain, c'est ballot. Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Falloir que je fasse attention à ce genre de truc. Parce que ça m'éviterait bien de... Ça me ferait économiser pas mal de ressources. Le prochain coup, dès que j'en vois. Fallait pas le laisser vivre. L'enfer, Peter. L'enfer. Message important. Temple rapport. Quelqu'un a coupé l'alimentation du moteur principal et il a bousillé les soupapes. Il faudrait les réparer avant de les rouvrir, mais on manque clairement de temps. Sans moteur en état, nous dévierons de notre orbite d'ici 10 heures. Je ne comprends pas qui a bien pu faire ça. Ces enfoirés d'unitologues cinglés, ça va saigner. Henderson disait qu'il viendrait. Il fallait pas le laisser vivre. La ferme d'Ender. Et passe-moi le matos. Ah, c'est bien, il se barre celui-là. Ouais, donc ouais, la prochaine fois que je vois des machins rouges là, enfin des petites bonbonnes, là, j'en prends avec moi parce que. Bon, il y a un point de sauvegarde, ça c'est bien. Tiens, un truc là-bas. On va faire gaffe parce que l'autre il était pas loin de tout à l'heure, il s'est tiré apparemment. Alors, oh putain, il y a eu un massacre là. La stas, ça c'est bien. Allez, ça on va récupérer. C'est... Allez, hop, on va écraser comme d'hab. Parce que c'est pas la peine d'avoir 50 milliards de sauvegardes encore une fois. Alors ça doit être ça le dernier truc à... Pas le dernier. C'est le dernier. L'un d'énergie activé. Moteur principal prêt pour activation. Ah non, il y a encore un truc. Ça marche, Isaac. L'énergie est revenue. Les réserves sont pas pleines, mais si vous relancez le moteur, notre orbite devrait se rétablir. Qu'est-ce que... Oh putain, fausse alerte, mon cul, putain, dégage, putain de salope, cette espèce de saleté, allez, claque, oh l'autre, fausse alerte, pfff, on avec que, non, les gars, non, putain, on se détend, là. Allez, ouvre tes merdes toi, voilà c'est ça, voilà, prends ça dans ta gueule, toi pareil, allez. Putain c'est chaud. Ça a l'air plus chaud que les épisodes précédents, là. Enfin oui c'est une idée que je me fais, mais... Donc recharge d'oxygène... Hein. On va recharger de la vie, parce que de toute façon, ça on pourra le revendre. On libère un peu de place dans l'inventaire. Parce que pour l'instant, l'air on n'en a pas besoin, mais vu qu'on en croise déjà dans l'épisode précédent, on avait croisé un peu, c'est que à un moment donné, on va en avoir besoin. Donc soit on le mettra dans le stock tout à l'heure, soit on le vendra, ça va dépendre. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es en parano ce jeu sans déconner. Dès que t'entends un truc, tu fais ah, tiens, ça on va les prendre. Parce que à l'aller ça n'a pas été simple à mon avis. Il doit y avoir un comité d'accueil au retour. Donc là, je serai équipé. Et je vais vous accueillir moi les mecs. Non mais. Oh. Allez. Merde, il va se casser la gueule, lui. Il y en a là.
pas. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a rien. Bon, bah ça va. Si moi, j'ai été médisant. Mais sait-on jamais. Ce que je disais, hein, le jeu en parano. Hein. Bah merde. Bah ils sont où mes trucs? Oh putain. Quand elle est arrivée en bout de queue, enfin en bout de course, là, ça a dû taper et machin, ils ont dû se barrer. Pas cool ça. Allez. Mais c'est rien, sur toi, c'est rien. C'est juste des petits bruits comme ça. Allez. Là, normalement, on avait fait le ménage tout à l'heure. Donc normalement, on devrait être tranquille. On va pouvoir vider le stock. Et puis on va en profiter, comme là, ça, on a dépassé les 20 minutes, si je dis pas de bêtises, pour arrêter la vidéo. Donc là, on va vite vider l'inventaire. Donc le découpeur, ça, on le... Hop, le trancheur. Le trancheur, on a de l'argent maintenant pour l'acheter, on va le prendre parce qu'on va rencontrer des monstres un peu plus coriaces, je pense, et ça va vraiment être indispensable. Donc, bah écoutez, je vous dis la même chose que d'habitude, hein, si vous avez aimé, likez, si partagez, et puis si vous n'êtes pas abonné, bah, pensez-y. Voilà, alors on va... Hop, faire une petite sauvegarde et je vous dis à tout de suite ou à la prochaine fois dans une vidéo, enfin la vidéo suivante. Voilà, au revoir.